Le fou rire. Oh, quelle merveille. Quelle merveille. Ah non, mais attendez. Dans une actualité aussi sombre, aussi noire, moi j'ai vu ça en direct. J'ai failli lui écrire, j'ai pas son numéro. Je la connais un tout petit peu. Mais j'ai ri pendant ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé, hein, s'il y a une caméra qui est tombée. Mais bon. Justement, hier soir, effectivement, elle parlait de sujets très graves. Nous sommes dans un journal. Oui. Et un événement lui a fait perdre son sérieux. Elle évoque, elle aussi, le délitement de la France, mais aussi le risque d'une guerre civile. Les signataires seraient des militaires d'active et non pas des retraités. Mais nous n'avons pas les noms. Ils sont restés anonymes. La ministre des Armées, Florence Parlier, a dénoncé une grossière machination politique. Pardon. L'ogre des Ardennes est mort. Le tueur en série Michel Fourniret, placé dans le coma depuis le 28 avril, a été jugé non réanimable. On imagine qu'un caméraman a eu un petit souci, mais comme on ne le voit pas, des internautes ont imaginé la scène hors champ. Elle évoque, elle aussi, le délitement de la France, mais aussi le risque d'une guerre civile. Les signataires seraient des militaires d'active et non pas des retraités. Mais nous n'avons pas les noms. Ils sont restés anonymes. La ministre des Armées, Florence Parlier, a dénoncé une grossière machination politique. Pardon. Non, mais ce qui est tellement mignon, c'est qu'à la fin, je ne sais pas si vous avez vu, elle a dit très sérieusement à la fin du journal, pardon, excusez-moi pour ce fou rire. Et moi, j'avais envie de lui dire, mais non, merci pour ce fou rire, parce que c'est quand même une petite lumière dans toutes ces nouvelles un peu difficiles. Et puis chapeau à elle d'avoir réussi à poursuivre avec la mort avec Michel Fourniret. C'est rare quand même de l'avoir rire au journal. En revanche, ici sur ce plateau, ça a pu arriver quelques fois. Oui, je m'en souviens. Dans la bouche d'Adrien. Eh ben oui. Dans le regard aussi. Allez, enchaînons. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive encore, Maxime? Pourquoi est-ce que... Non. Pourquoi est-ce que vous voulez nous parler de bougies et d'encens? Moi, quand même. Ah bah ouais, je suis. Ça a fantasme, les gens. C'est un sexe symbole. Et oui, voilà. Ça, c'est l'aura du paquet créole, ça. C'est l'aura du paquet créole. Donc... Des dizaines de photos de Trump en peignoir. On en a sorti quelques-unes. Peignoir. Ah, c'est beaucoup trop compliqué à dire. Arrête, hein. Elle nous a habitués au fou rire, mais hier au 20h, peut-être déstabilisée par tout ça, elle a laissé ressurgir une autre de ses petites faiblesses, les noms. Le Premier ministre qui reçoit en ce moment même les syndicats de police. On retrouve Anne-Claire Poignard, devant Matignon. Ah merde. Les noms, les prénoms, vous le savez, pas vous même ici, surtout Patrick, c'est quand même un petit problème pour Anne-Sophie. Vous me demandez ça à moi? Non, ça, on va le voir. Vous avez donc, Calogero, parler avec Philippe Bouvard, et vous avez raison de le faire. Ah. Oui, d'accord, ok, ma langue a un petit peu fourchée, c'est normal. Au dessert, le réalisateur Jean-Pierre Jeunet et son actrice Helena Bonham Carter seront avec nous. Mais avant tout cela, Patrick Bruel, vous recevrez deux invités. Oui, Patrick Bruel. Excusez-moi, deux secondes. Qu'est-ce que vous nous apportez un alcotest pour Anne-Sophie Lapix, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez pris, Patrick Bruel? 24 heures sur 24. Et Olivier Besancenot risque de ne pas être d'accord. Mais oui, forcément. C'est bon. Allez, la suite. Merci, Patrick. Patrick Bruel. Oh, c'est merveilleux. Tu te souvenais pas que... Non, je me souvenais pas. C'est vrai qu'on peut pas confondre Patrick Cohen et Patrick Bruel. C'est impossible, n'est-ce pas, Patrick? Oui, mais bon, le direct, je sais pas. C'est vrai. Franchement.